Nous sommes au départ du Trail des Crêtes du Chablais, sixième étape du Crédit Agricole Nature Tour 2016. Trois courses pour cette journée pluvieuse, un 76 km parti de nuit, un 38 et un 18 km, avec un total de plus de 1000 trailers. Un défi pour l'équipe organisatrice puisqu'il s'agit seulement de la troisième édition de cette course. Clément, on est à peu près à la moitié de cette journée, comment ça se déroule ? Plutôt dans l'ensemble, ça se déroule plutôt bien. Forcément, on a des hauts et des bas. Il y a eu des moments difficiles un petit peu ce matin avec les conditions météorologiques. Toutes les courses qui sont parties en même temps, enfin des superpositions de départ avec des moments un petit peu cruciaux dans le déroulement de la course sur les parcours. Donc ça a été chaud, mais on gère et ça se passe plutôt bien maintenant. C'est bon. Alors, on en avait parlé l'année dernière, mais alors une fois vous partez de Châtel, une fois vous partez d'ailleurs. Ça va durer tout le temps comme ça? Vous allez continuer comme ça ou bien vous restez sur Châtel? Alors oui, l'idée c'est de faire évoluer les parcours. On est parti sur un roulement tous les deux ans. Donc on a fait deux années à Vacheresse, les deux premières éditions à Vacheresse. On fera deux années ici, donc aujourd'hui et puis le 18 juin 2017, ici à Châtel. Et puis après on envisage à nouveau des nouveaux parcours. Pas forcément Vacheresse, peut-être éventuellement une autre commune à réfléchir. Les trails sont de plus en plus longs. Pourquoi est-ce qu'on rallonge comme ça ces courses de plus en plus? Est-ce que c'est une demande des coureurs ou pourquoi est-ce qu'on fait des trails comme vous, 76 km hein? Il y a une demande des coureurs certainement de rallonger, un engouement dans le trail qui est en plein essor, ça c'est évident. Après, nous en tout cas on cherche à construire un parcours qui soit le plus sympathique possible, agréable à courir, plaisant, avec des jolis points de vue, des jolis enchaînements de sentiers. Aujourd'hui, le parcours qu'on a construit fait 76 km. Il en aurait fait 70, ça nous serait allé aussi tout à fait. En tout cas, c'est sans doute de boue, de glissade et de pluie dont se souviendront les trailers. Pourtant, avec un peu de soleil, cette traversée du Haut-Chablais aurait réservé des magnifiques paysages comme on peut l'entreapercevoir ici sur nos images de drone. Sur la ligne d'arrivée, en 8h16, le vainqueur a passé la ligne. Le voilà après une douche bien méritée. Ce que j'ai aimé, c'est que c'était une course dure. Ce qui était difficile, c'est que c'était une course dure. Et ce que j'ai aimé dans tout ça, quand je dis que c'était dur, c'est parce que c'était très gras, très boueux. Mais en même temps, ça amène aussi une autre amplitude à la course et les meilleurs sont les meilleurs. Merci. Première féminine arrivée près de 5 heures plus tard. Les concurrents qui étaient devant moi, à qui je demanderai la prochaine fois de laisser le terrain en état, hein, parce qu'alors... Mais bon, en même temps, je leur en veux pas. Hein, parce que les sangliers, ça a du bon dans le brouillard, on voit mieux le terrain. Sans ça, ben, y a tous les gens qui m'ont soutenu, parce que c'est une sacrée épreuve, et puis... Ben on y pense tout au long, il se passe beaucoup de choses parce que c'est long le parcours. Hein. Le parcours, il y avait un peu beaucoup de neige, ouais. On a eu froid, mais voilà, c'était joli, surtout une fois que c'était découvert. Et puis vraiment l'organisation, très bien, les bénévoles et tout ça, vachement sympa. Avant les podiums, le public applaudit la remise à l'association Josmar 58 d'un chèque de 1000 euros par le Crédit Agricole des Savoies. Une nouveauté du Nature Tour 2016. Bien entendu, tous les vainqueurs seront récompensés. Et vous pouvez, comme à l'accoutumée, trouver les résultats complets sur notre site. Avant de terminer, impressions et souvenirs de deux trailers. Après les deux ravitaux, j'en avais gardé parce que je savais que les crêtes étaient un peu... Il y en avait quand même pas mal qui se succédaient en fractionné, donc j'étais content de la fin quand même. Je voulais vraiment garder pour la fin et ça s'est super bien passé. J'ai eu du plaisir parce que j'ai bien géré physiquement, malgré toute cette boue. C'était la première fois que je courais dans la boue. Et puis... On a eu quelques éclaircies en haut quand même, le brouillard pas trop épais, mais une bonne ambiance, il y a eu les cloches au ravitaillement, c'était une belle course finie, très contente. Sur ces images du village de Châtel, le Crédit Agricole Nature Tour vous donne rendez-vous dans deux semaines à Faverges pour son trail. Alors souhaitons un peu de soleil qui ferait du bien à vos baskets.